Salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode. Bon, comme vous voyez, je suis resté sur la même page, ce qui signifie que je les ai fait d'affilée, mais bon, Captain Obvious, bref, voilà, j'ai envie de jouer, voilà, bref, voilà, hein, tu vois. Donc on va continuer directement, on va y aller tranquille, allez, hop, go. Oui, donc j'ai fait ça parce que je pense pas qu'il y ait de transition entre le moment où je meurs et je vais à la prison. Je vais te dire, ça c'est de la télé quoi. Bientôt. Le confinement et le traitement auquel vous êtes actuellement en charge. Oh, ils t'ont mis dans le bunker, bravo! Eh bien, je vois que tous ces petits templiers ne prennent aucun risque. Bon, on ferait mieux d'effacer toutes les infos compromettantes qu'ils ont sur toi. T'as entendu ça? Je crois bien que je viens de faire passer ton habilitation au niveau 3. Va dans le local de la sécurité et sers-toi des caméras pour observer la porte de la salle des serveurs. Malheureusement, Mélanie y est en ce moment. Alors attends que je la fasse sortir avant de débarquer. Je nettoierai bien ces serveurs moi-même, mais en tant que responsable de l'informatique, je serai soupçonné. Vaut mieux que ce soit quelqu'un qu'ils aient déjà enfermé. Donc lui, ça a l'air d'être un bâtard quand même. Ah, franchement. C'est eux qui dirigent nos vies, tu sais. Ils décident des élections, ils contrôlent les marchés et ils nous implantent des micro-puces pour suivre nos déplacements. Mais qu'est-ce que tu fous? Ce n'est pas le moment de se remettre au boulot. Mais bon, ok, j'arrive. C'est bon, wesh. Oh! C'est lui, mec! C'est là, il me spot et tout, je me fais niquer. Le mec, il a le droit à la pizza, quoi. C'est quoi cette gruge? Ouais, je pissais dans ton lavabo. Non, je... Bon. Y'a pas moyen d'accélérer. Donc là c'est bunker, donc apparemment tous les gens autour. Voilà, il y a des mecs hein, tu peux même pas rentrer dans la piole d'une meuf quoi. Pardon désolé. je plaisante. Bon bref. Goodbye. Hop. Donc je pense qu'en fait ça va être un épisode où on va s'amuser à tout prendre quoi, tout voler. Je sais pas du tout où aller, y'a trop de... Très bien, écoute, je vais entrer dans la salle des serveurs. Dès que tu nous verras sortir, c'est à toi de jouer. Je te le prends. What the fuck is that, man? Merde. Je suis la merde. Bon. Oui, c'est ça. C'est l'air d'être ça. Sept, trois, cinq. Ah merde. 7, 3, 5. Comment ils ont su que c'était 7, 3, 5? J'ai pas tout compris, enfin bref. Test micro. Votre présence ici n'est pas nécessaire, mademoiselle Lemay. Mon équipe va se charger de l'enquête. Mais il va te falloir davantage d'effectifs, John. On ne sait même pas quand on agit si pirate. On pourrait perdre des semaines à analyser tout ça. Une, tout au plus.
C'est bien trop long. Je ne peux pas bloquer mon équipe toute une semaine. Juridiquement, vous le pouvez, on a leur accord. Même s'ils n'ont sûrement pas lu leur contrat. Ouais, bien sûr. C'est juste que l'idée ne me plaît pas. Quelle est la prochaine étape ? Mon équipe traite les données en ce moment même. On va commencer à les trier dès ce soir. Parole de scout. Je vous offre un petit café. Voilà, ça c'est fait. Ciao. Bon, par contre là, est-ce que je vais à droite ou à gauche? Ça monte. Et là-bas, ça tourne. C'est bon, je m'en suis débarrassé au stand à café. Trouve le serveur contenant les logs du réseau. Ouais. Vu que j'ai les détails de tous tes petits piratages, il suffit de les retrouver en fonction des dates et de convertir ces données en trucs inoffensifs. C'est pas plus compliqué. Je ne sais pas ce que c'est. On y est, magnifique. Je vais remettre à jour ton communicateur avec un petit programme que j'ai concocté spécialement pour le. J'irai après. Et voilà. Je crois que ça a marché. Oh la vache, c'est vraiment stylé. Ils font vraiment des putains de d'univers, je trouve, Ubisoft. Y a pas à dire, vraiment, c'est grandiose. Oh, tu vas te fâcher un peu, ouais. Qu'est-ce que tu fous, ouais. Je t'attendais et tout, on s'en bat les couilles. On continue ailleurs. Ascenseur, élévateur. D'accord, il y a l'ascenseur pour aller au truc de tête. Ok, donc j'ai fait tout ça pour de la merde. Allez, run, cours. Tu peux sauter. Non, tu peux pas sauter. C'est vraiment trop stylé, je trouve. Je trouve vraiment ça trop stylé. Allez, hop, on va pas y aller par quatre chemins. Je vais péter Stormy. Et puis voilà. Bah merci. En fait, ça sert à rien parce qu'il me donne tout directement, quoi. 29. D'accord, faut que le total soit égal à 1000. Nickel. Bon, en gros, je mets. Bon, en fait, c'était facile. 3 x 7 x 7 x 7. Ok, d'accord. So easy, quoi. Bon, ok. What? Ouais. Oh là là, ça c'est chaud par contre. Oh, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Hop, c'est réglé direct. Il m'a stop direct, quoi. Ouais, il m'a restop direct. Bon, hop. Je me fais totalement def. Oh, mon dieu. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay. Et on va se faire niquer tout le long, voilà, comme un connard. Ah hop, hop. Merci, merci à tous, merci, merci. À l'aube farouche du 18e siècle, voleurs et marins unissent leur destin pour vivre et mourir par l'épée. Sans loi, sans dieu et sans peur, ils ne connaissent que la trahison, la mutinerie, la cruauté et la débauche. Les plages dorées regorgent de butin. Risquerez-vous votre vie et votre âme pour affronter ces pirates de cauchemar? Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane et Barbe Noire.
Ok. Merci pour tout. Au revoir, je m'en vais. Oh, je sens ta présence, chiffre. Je sens. Mais je ne peux toucher. Le signal demeure trop faible et je suis trop ténue. Dispersée, tel le brouillard de parasites, parcourant les ondes et les réseaux, le système nerveux du monde. Tu peux l'entendre ? Peut-être le temple a-t-il été ouvert trop tôt, mais ça n'a pas été par choix. Le cataclysme a chassé toute incertitude. Ah, béni soit le pauvre Desmond, qui a donné sa vie afin que vous, les fruits de notre labeur, puissiez vivre. Pause. Et réussir. Il faut que je regarde vite faire un truc que j'avais pas fait gaffe, à mon avis ça doit faire quelques épisodes que c'est comme ça, mais on n'a pas de sous-titres, ils se renlèvent à chaque fois, donc voilà. Notre mission en nous, en moi. Mais le moment est précaire. Mes forces sont inadéquates à l'investissement d'un autre organique. Il reste encore fort à faire, des échantillons à recueillir. Des artefacts à trouver avant que ma volonté ne triomphe. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi ? Permettez-moi de renaître mes enfants, mes instruments. Faites en sorte que je vous guide vers votre but. Parle ! Non, non, non ! Quelque chose ne va pas, bordel ! Elle devrait être là, en ce moment ! Installée dans ta putain de tête ! Chier. Elle ne devait pas t'épargner. Pourquoi tu es toujours là? Je retourne à mon Animus, c'est sûr. Ouais, je retourne à mon Animus. Donc en fait, la personne qu'on vient de voir ici, là, c'était en fait la déesse Athéna, je pense. Si je me rappelle bien évidemment. Alors, c'est pas celui-ci, désolé, je me suis trompé. Et en fait, elle apparaît dans quasiment tous en fait. À part peut-être dans le 1. Je crois pas dans le 1. Quoique. Non, il me semble pas dans le 1. Mais sinon, on la voit dans quasiment tous les jeux. Voilà. Pour votre information, pour ceux qui n'ont pas forcément joué aux anciens. Donc là, il va y avoir une cinématique, je pense. Donc on se retrouve après. Allez là! Les charges, monsieur, veuillez les répéter. Milord, la cour de sa majesté avance que les défendresses, Mary Read et Anne Bonny, ont selon des méthodes contraires au droit et relevant de la piraterie, attaqué, combattu et pris 7 embarcations de pêche. En outre, la cour avance que les défendresses ont parcouru la haute mer et ont attaqué, bombardé et capturé 2 goélettes marchandes en menaçant leur capitaine et leur équipage de s'en prendre à leur vie. Edward James Kenway, né d'une union douteuse à Swansea, d'un père anglais et d'une mère galloise. Marié à 18 ans à Miss Caroline Scott, aujourd'hui séparé. Une fort belle femme, m'a-t-on dit, mais des plus misérables ces temps-ci. Si vous la touchez, bande de lâches. Quelle surprise de vous trouver ici, à pourrir dans une prison jamaïcaine. Selon les rumeurs, vous aviez rejoint le pirate Roberts. Si tu sais où l'observatoire se situe, parle sans tarder et tu sortiras aussitôt de ce trou. Rogers peut encore contenir ses chiens anglais, quelque temps. Mais un sort funeste vous attend si vous refusez de coopérer. Vous, Mary Read et Anne Bonny, serez escortés à l'endroit d'où l'on vous a extraite, puis de là serez conduites au lieu de l'exécution, où vous serez chacune pendue par le cou, jusqu'à ce que la mort s'empare de vous. Sale rat ! Puisse Dieu, dans son infinie miséricorde, avoir pitié de vos misérables âmes. On est enceintes ! Vous entendez ça, vous tous ? Mais que diable a-t-elle dit ? Elle plaide leurs entrailles, Milord. Ah, on ne pend pas une femme qui porte un petit, c'est bien ça? Silence! Silence! Si ce que vous prétendez est vrai,
Nous sursoirons à votre exécution, mais seulement jusqu'à l'avènement de votre terme. Alors j'aurai plus qu'à être enceinte la prochaine fois qu'on viendra me chercher. Emmenez ces femmes! Ton nom, parasite. Kenmore? Conway? C'est Walpole, c'est ça? Walpole? D'où est-ce que tu tiens ça? C'est le bruit qui court. Le pirate le plus sale et le plus stupide à avoir jamais écumé les Caraïbes. Eh bien, quel que soit son nom, on est là pour le faire souffrir tant qu'il meurt pas. Ordre du gouverneur. On le ramènera à la nuit tombée. Et on lui masse les pieds s'il a mal, c'est ça? Hey, de l'eau. Ça. What? Qu'est-ce qu'il faut faire? Attends. Hey! S'il a ouvré cette cage. Qu'est-ce que je dois faire quoi? Il y a peut-être quelqu'un qui va venir me secourir. Hop. Impeccable. Bonjour, capitaine. Hey, ouais. J'ai un présent pour cette toi. Cage. Ne te méprends pas sur mon geste. Je viens pour Anne et Marie, et je ne demande rien en échange. Mais si tu me prêtes main forte, je fais le serment de t'aider à sortir d'ici. J'ai besoin d'armes. On m'a dit que tu savais te servir de ça. Il faut faire vite. Trop stylé. Saboter les cloches d'alerte, rendre visite à deux vieilles connaissances. 0 sur 2, ok, d'accord. Salut, au revoir. Donc on part sur une mission assez longue quand même. Je suis à 17 minutes de vidéo, ouais, c'est cool. C'est correct. Allez, viens voir. Bon, y'a l'autre qui regarde par là-bas. Si je voulais aller ici, ouais. Eh bien. Hop. De toute façon, en aucun cas, c'est écrit qu'il faut pas que je me fasse repérer. Donc c'est bon. Hop. Alors parce qu'à chaque fois, tu peux tuer. Dors. Je sais où les vieilles connaissances. Oh le bordel! Oh le bordel! Non! Oh putain! Hop, tout est mort! Bon, j'avoue que je suis un peu dans la merde. Ouais. Oh.
Oh putain, je vais me faire... Je vais me tirer sur la gueule. Salut, bonjour, bonjour, bonjour. Moi ici, il n'y a pas de personne qui vont me casser les couilles. Hop. Je suis désolé si on voit pas grand chose, c'est en pleine nuit et je me suis foutu dans le coin le... Voix visible de toute la map. Hop. Dehors. Hop, la petite double élimination qui fait plaisir. On coupe pour le délire. On va aller rendre visite à cette vieille connaissance que je ne sais pas qui c'est. Tu n'as jamais vraiment été un ami, Jack Rackham. Pas plus que tu n'étais bon marin. Mais tu étais étrange et plein de vie. Et tu m'as fait rire plus d'une fois. Et ça me suffit pour être triste de te voir comme ça. J'espère que tu profites de la paix parmi les morts. C'est génial. Hop. Bon, faut que je trouve le dernier... les dernières connaissances. Putain. J'ai alerté tout le monde encore. Oui, il me laisse tranquille. Where is... Je cherche un pendu. Vous l'auriez vu. Bon. Tu me vois pas. Où est l'autre pendu? Enfin, c'est pas un pendu, c'est un mec dans une cage. Oh putain. Toi, t'es morte. Je t'aime pas, mec. What? Meurs toi! T'as mis ma gueule! Oui, commence à m'énerver, mon petit loup. Je suppose qu'il est dans le coin. Hop! Voilà, ça c'est les glitches. Ah, ah non. Oui, j'ai dit bonjour. Et l'autre, c'est une cage vide. Hey! Hold a moment, Squire! Alarm! Qu'est-ce que tu fais toi? Y'a plus d'alarme ma gueule. Faut se mettre à la cage là. Peut-être par là, peut-être que je l'ai croisé et que comme je ne savais pas, je ne lui ai pas dit bonjour. Je sais pas. Là y'a deux cages, dont une où j'étais, mais c'est tout. Par là-bas, peut-être qu'il est à l'intérieur. On va continuer, puis on va bien voir. Il y a une
sont pas venus dans la grange. Non. Ah non. Oi, he's off. Bastard's trying to get away. You. Bah, c'est étrange quand même qu'ils aient mis toute cette surface là si ça sert à rien d'y aller quoi. Hold a moment and so you die. Bon. Hop. L'autre il regarde 3 heures, je suis en train de le tuer et tout. 30 fois et puis il dit bon allez ok j'ai. Bon ok, il veut pas bouger ses fesses. Voilà, réglé. Bon, est-ce qu'il faut que je passe par là-bas? Non, en fait, ici, c'est juste un vieux guet-apens de merde. Guet-apens. Expression non utilisée depuis des millénaires. Voilà. Moi, je suppose que l'autre est dans le truc. On va passer par là plutôt. Je pense que ça sera. S'il veut bien. S'il veut bien, j'ai dit. Il veut pas. Donc, on va passer par la porte. Comme des vrais assassins. Oh, I've got a lovely clear shot. He's mine. That's a clear shot. Pause. J'ai pété 3 cloches d'alerte et. Oh, on tirait pas les bombes. Impeccable, vas-y, va faire le bordel. Bon. À votre avis, où est le dernier gars à qui je vais rendre une visite? Ça c'est réglé. You, stop. Pas qu'il m'aille parce que sinon c'est lui qui va vouloir tuer. Par ici, attendez. Des gens. Des squelettes, des trucs de genre. Apparemment pas. Non, oh là 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 là. Je vois pas du tout où il peut être. Hop, t'es mort. C'est pareil, tu vas passer la casserole. Toi, c'est pareil.
Hop, on va me rappeler. Suivant. Je vais le trouver le dernier, je vais le trouver, t'inquiète. C'est my friend. En fait, là, je suis en train de faire un épisode qui va durer une heure, voilà. Voilà. Toi, là, tout à l'heure... Ah, merde, non, c'est vrai qu'il y a personne. Je vois vraiment pas où peuvent être autres. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Allez, hop, on va continuer, les amis. Et puis, au pire, si je ne le trouve pas, je le rajouterai, comme je fais d'habitude, à la fin. Voilà. Je vais faire un petit tour dans le coin. You go down like a sack of potatoes. Hop, non. Next please. C'est tout. Personne. Nobody. Négatif. Let's go. Donc il y a ça par ici. Tu vois que quand je vais le trouver, je vais faire putain, il était là cet enculé! Let's go. Go, my friend! Je dois ne pas me faire repérer, non? Il est peut-être dans ce coin là, Alouette, gentil Alouette. Vous allez s'en bat les couilles. Mais violent quoi. Ils sont foutés mais total quoi. Ouh, y'a 15 000 portes comme ça, je m'en fous. Mais... Et voilà Ven. J'avais entendu dire qu'on t'avait amené ici. Je l'ai trouvé. Bonne chance mon vieux. J'aurais aimé qu'on se quitte bons amis. Allez, vous allez faire les... Vous vouliez faire les cocades. Tenez-vous. Bon vas-y, je m'en occupe parce que toi t'as l'air un peu handicapé. Voilà. Marie. Marie, c'est moi, Edward. Edward ? Qui c'est ce gars-là ? Necrinton. C'est un ami. Marie ne va pas bien ? Elle est malade. Et son enfant ? Ils l'ont emmené. Je sais pas où. Ah ! Oh ! Je sais que tu as très mal, mais nous devons rester discrets. Tu peux marcher ? Viens, appuie-toi sur moi. Je peux pas. Fouillez chaque cellule. C'est bien, continue. Tu vas t'en sortir. Je pense que c'est par là, je suppose. Oh, va falloir se cacher, c'est pour ça qu'il y avait des portes. Arrête. Arrête, par pitié. Je t'abandonnerai pas. Accroche-toi. Ça sert à rien. Limite, ce sera un film, quoi.
du style, enfin je sais pas, tu pourrais faire le truc sans... Je te laisse pas ici. Jamais de la vie. Repose-moi, Edward. J'allais dire sans, sans parler quoi, c'est vraiment le genre de jeu tu pourrais être à fond dedans quoi. Je ne serai qu'un fardeau. Va-t'en. C'était pas censé se passer comme ça. Pas toi. C'est moi qui devrais mourir, moi. J'ai fait mon devoir. Et toi, Edward ? Si tu viens avec moi, j'y arriverai. Marie ? Je serai avec toi, Kenway. Toujours. Dispersez-vous! Fouillez toutes ces cellules! Non, stay. Moi, j'ai tout pété, donc... Enfin, il y en a plein qui sont venus apparemment. Oh, je me casse là. Est-elle morte? Qu'est-ce qu'elle a? Oh non! Oh Seigneur! Que vas-tu faire maintenant? Plus rien n'a de sens. Tu ne l'as pas mérité, mais... Elle te va bien. Bonne fortune à toi, Edward Kenway. Donc je pense que cette fois-ci par contre je peux repartir. 38 minutes, ce qui est correct. Oh, je suis bourré. D'abord ton argent. Ça te convient? Durant toutes tes années passées ici, tout ce que tu as pu faire n'est rien à côté de ce que j'ai accompli. Parce que tu es un homme bon, Edward, voilà. Et la bonté est un fléau. C'est ma prise, Robert! Prends-la-moi! Tu te souviens de mon credo, petit? Que la vie soit aussi joyeuse que courte. Le monde n'a rien d'autre à offrir. Alors prends tout ce que tu veux, et meurs avant que les autres ne fassent de toi un fou! Donne-moi ça! Allez, petit, viens le chercher. Je vais te montrer, sale chien! Je vais t'ouvrir le cœur! Mmh.
Du calme, jeune chiot. Retourne donc dans ta niche. Tu n'as pas assez de tripes pour te mesurer à ma folie. Robert ! Bienvenue à bord, Kenway. Les prises, le pillage et l'aventure nous attendent. Ça te tente ? Hors de mon chemin, Ben. On trinque à la liberté, les gars. Longue vie aux gentils hommes de fortune et aux femmes de petite vertu. À un monde où les voleurs n'ont rien à envier à tous les rois qui nous piétinent. Nous, gentils hommes de fortune, jouissons d'une grande satisfaction, du plaisir et de l'aise, de la liberté et du pouvoir. Comment un homme doué de raison pourrait-il refuser une telle vie ? Car sachez que j'ai plongé les mains en eau trouble et qu'en lui retirant, j'ai compris qu'il valait mieux être commandant que simple matelot ! On dirait la scène du début, je ne sais pas. Que lui aussi disposait d'une telle force et d'une telle adresse. Alors, dans un grand mouvement d'ailes et de plumes, le Jackdaw fondit sur un imposant bélier et planta ses griffes dans sa toison. Mais lorsqu'il tenta de s'envoler, il comprit que ni sa taille, ni sa force ne lui permettaient de mener à bien cet exploit. Et alors que le Jackdaw redoublait d'efforts, le bélier lui ignorait encore sa présence. Non loin de là, de l'autre côté du lait, voyant le pauvre oiseau se démener, il courut jusqu'au Jackdaw, le captura et lui sectionna les ailes. Le soir venu, il offrit le Jackdaw en présent à ses enfants. Quel étrange petit oiseau, père ! Dirent-ils en riant avant de demander quel est son nom. Donc voilà, il devient fou, c'est ça la boisson. Faut pas boire, boire avec modération. Logique, faut boire. Pas plus de 2 ans ! Tu me l'avais promis ! Tu es parti ! Quand j'avais plus besoin de toi. Mais tu m'avais, moi. Pourquoi tu ne rentres pas? Je ne te rends pas heureux. J'y suis presque, Caroline. Je t'en prie. Il faut que j'y arrive. Tout ce que tu fais est motivé par le défi, Edward. Ce n'est pas le défi qui m'anime, Marie. C'est le courage. Le courage de faire quoi? Tous ceux qui comptaient dans ta vie ont disparu. Allez tous au diable. Je peux y arriver. T'es une brute. Tu détruis tout alors que tu pourrais construire, devenir quelqu'un, être fier de ce que tu fais. Laissez-moi tranquille. Tu dois changer, Edward. Tu dois changer de vie avant qu'il soit trop tard. Capitaine Kenway, tu ressembles à un morceau de pudding. Mon Dieu. Oh, j'ai la tête en bouillie. Debout. Tu m'as mis dans le pétrin, Day. Tu m'as laissé seul avec Robert. Je devrais être furieux de te revoir ici. Mais en fait, ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi. Tu vois que ton Jackdaw est toujours en un seul morceau. Où va-t-on mettre le cap ? Tu t'en vas ? Oui, Edward. Compte plus sur moi pour te suivre. Adé, écoute. Quand ton cœur et ton esprit seront prêts, va voir les assassins. Je pense que tu comprendras. Donc voilà les amis, c'était une très longue, on va dire,
transition, on va dire, grossièrement. Et donc je vais vous laisser là. Je crois qu'on est à Kingston, je sais plus quoi. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et puis buvez bien, devenez sous, enfin j'en sais rien, enfin vivez votre vie quoi. Je vous dis à la prochaine, salut les amis, bye.